Il n'est pas encore né mais se place déjà en tête des personnalités les plus influentes de 2013. À quelques heures de la naissance du premier bébé de Middleton et du prince William, les médias s'interrogent déjà pour savoir quand apparaîtra le royal baby. Devant l'hôpital Saint-Maries, les photographes du monde entier ont pris place, pour ne pas rater l'annonce de l'accouchement de la duchesse de Cambridge. Et si, certains s'impatientent, et regrettent que le palais de Buckingham Palace ne les tienne pas informés de l'emploi du temps de Kate Middleton et du prince William qui a fait ce week-end une partie de polo avec le prince William, certains s'interrogent déjà sur la première apparition officielle du bébé. Comme Diana et Charles il y a 31 ans, Kate et William sortiront-ils avec le royal baby dans les bras? Il appartiendra à Kate et à William de contrôler l'accès au bébé et à sa famille, a indiqué Patrick Jeffson, l'ex-chef de cabinet de Diana, alors que la question de la protection du bébé inquiète le palais. En effet, les services de sécurité ont été renforcés devant l'hôpital mais aussi aux abords de la maison des Middleton où devrait résider Kate et le bébé après la naissance. On se souvient que c'est le photographe des stars et ami de Diana Mario Testino qui avait réalisé les photos officielles des fiançailles de Kate et William. Aussi tient-il la corde pour réaliser le fameux cliché. À moins que cette fois, le couple ne fasse confiance à un photographe britannique, allez encore un peu de patience. Comme Camilla Parker Bowles, le monde entier est pendu aux lèvres du porte-parole du palais qui donnera les premières infos sur la naissance de l'héritier.